aromatiques, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle nouvelle lune dans le signe du lion, une nouvelle lune qui est intense et forte, mais qui peut, si vous décidez d'en capter les meilleures énergies, se révéler très prometteuse et vous ouvrir vers la nouveauté. Alors, la nouvelle lune, bien sûr, c'est un symbole de renouveau, puisque c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent pour former un couple, pour féconder quelque chose, pour démarrer un nouveau cycle. Cette nouvelle lune est intense, pourquoi ? Parce qu'elle se place au carré de Mars, qui rentre en scorpion en même temps. Donc on a toutes ces énergies de Mars, le dieu de la guerre, le dieu de l'acidité quelque part aussi, des peurs sombres du scorpion, qui vient réveiller cette nouvelle lune, lui donner une tonalité peut-être d'anxiété, de peur, de conflit, de haine. Vous savez, de toutes ces émotions primaires que l'on peut avoir en nous et qu'il faut sortir, qu'il faut savoir exprimer et qu'il faut savoir accepter, puisqu'elles font partie de nous et de notre condition humaine. Et tout ça est amplifié, bien sûr, par la présence de Jupiter aux côtés du Soleil et de la Lune. Hein, donc c'est une nouvelle lune jupitérienne, mais qui va dans l'excès et qui reçoit très fortement l'énergie d'un Mars qui rentre dans le Scorpion qui va peut-être tout simplement infuser des peurs irrationnelles, les angoisses du Scorpion qu'on ne maîtrise pas toujours. Et là, il va falloir accepter, il va falloir lâcher prise, il va falloir sortir ces émotions de votre corps, respirer, faire rentrer le souffle de la vie à l'intérieur de vous pour faire monter votre niveau d'énergie. Je remercie Valérie Fayola, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite avec elle. Regardez-la, c'est riche d'enseignements. Moi, cette personne est venue à moi il y a quelques jours. Elle s'est déplacée de Grenoble pour faire la vidéo. Et depuis qu'elle est venue, j'ai son tarot avec moi, enfin son oracle, qui lui a été donné en guidance et qui m'aide énormément. Donc il y a de jolies inspirations et le souffle de la vie, cette énergie qui circule en nous, qui est notre respiration, c'est l'énergie et c'est ce qui nous permet de faire monter notre taux vibratoire et de nous mettre sur un plan plus élevé, de mettre nos émotions. De les remettre dans l'invisible, dans l'univers, de donner carte blanche à son âme et de dire « Allez, je fais confiance, je lâche prise, tout ça c'est en moi, ça m'appartient, mais en même temps, il y a quelque chose de plus grand qui prend les choses en charge et c'est avoir confiance en la vie. » Ne laissez pas ces bouffées d'émotions anxiogènes, anxieuses, toutes ces peurs, tout ce qui ressort, qui est non réglé, vous empêchez de vivre ce que vous avez à vivre. Méfiez-vous de vos peurs et de vos projections. Vous savez, tout le temps que vous allez passer à imaginer le pire, à essayer d'anticiper sur le futur, à essayer de savoir ce qui va se passer, en faisant des projections positives ou négatives, peu importe en fait, mais là c'est beaucoup des projections négatives, avec des angoisses, mais après on peut aussi faire des projections positives pour calmer les angoisses, genre bon, je vais bien, tout va bien, alors j'y crois, ouais, je visualise le truc de mes rêves et tout, mais en fait, putain, j'ai les jetons, ça va pas arriver. C'est tout ça, c'est des peurs. Et tout ça, c'est du pouvoir sur la vie. C'est ne pas faire confiance en la vie elle-même, qui est bien faite et qui fait les choses comme elles doivent se faire. C'est vouloir gérer l'inévitable. L'inévitable, il nous tombera dessus de façon inévitable, sans qu'on puisse le prévoir ou l'anticiper. Et au moment où il arrivera, on s'adaptera. Mais c'est pas la peine d'essayer d'anticiper, d'imaginer l'inévitable, de se nourrir de peur pour se préparer à l'avance au cas où, parce que ça nous empêche de profiter de ce que l'on vit et de nous concentrer sur le moment présent. Et ça, c'est important à vivre. Elle est là, la liberté. Il était question de libre arbitre dans les échanges que j'avais avec vous sur Facebook. Et voilà, je pense sincèrement que nous avons un libre arbitre et que notre libre arbitre, c'est justement ce qui nous permet de... quand on fait le choix du libre arbitre, on avance dans la vie avec confiance,
on est responsable de ce qui nous arrive, on n'impute pas la faute à l'autre, on croit en la vie, alors que si on part du principe que tout est écrit à l'avance, qu'il y a un déterminisme, ben c'est forcément pas notre faute, il n'y a pas de remise en question possible. Et puis c'est un petit peu comme si on essayait de connaître la date de tous les événements de notre vie, mais surtout la date de notre mort, quoi. Bon, bah, comment voulez-vous profiter de la vie si vous connaissez cette date-là? Et puis bon, on n'a pas à le savoir, parce que ça nous empêcherait de vivre, tout simplement. On n'est pas venu pour ça. Donc tout ça, c'est du pouvoir. Et le pouvoir, ça empêche de profiter des choses qui sont belles à vivre. C'est du poison, c'est des peurs. Donc Mars en Scorpion peut réveiller ce besoin de pouvoir sur la vie, ce besoin de contrôle. Et là, on n'est pas dans les énergies solaires du lion qui s'abandonne à la vie tout simplement et qui croit et qui est dans la confiance et qui croit en sa foi, en lui, en ce qu'il est, en sa volonté, en sa superbe pour réaliser ce qu'il a à réaliser. Il est dans une confiance illimitée. Donc bien sûr, cette nouvelle lune peut générer des conflits, des tensions. Bon, ben, dites-vous qu'il faut que ça sorte. Ce sont des choses importantes. Mais par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, à vos anxiétés, par rapport à vos doutes, par rapport à toutes ces questions que vous vous posez et où vous n'avez pas les réponses, dites-vous que la réponse est en vous. Retrouvez cet amour de vous où vous avez vraiment confiance en vos choix, en votre intuition, en votre âme, où vous décidez par vous-même et où vous êtes fidèle à vous-même. Et pas fidèle à des injonctions, pas fidèle à des croyances, pas fidèle à des peurs qu'on vous a insufflées. Pour tous ceux et celles qui m'ont eu en consultation, c'est vraiment le but de la consultation. Hein. J'essaye de vous dire, bon ben voilà ce qui a été transmis et appris, voilà toutes les croyances qui sont là mais qui vous empêchent d'avancer, qui ne sont pas les vôtres, et puis ben, décidez maintenant, en faisant un travail sur vous, en continuant sur votre chemin d'évolution, eh bien, d'être fidèle à vous-même, plutôt que fidèle à vos parents, à tout ce qu'on vous a transmis et appris, qui ne vous appartient pas. Et puis donc en fait, puisque le jour de la nouvelle lune, c'est un jour où on fait un vœu, et où on peut faire une demande à l'univers, et où il y a ce chèque d'abondance que l'on peut faire, enfin plein de possibilités, où on se centre sur soi, et dans les 8 premières heures qui suivent la nouvelle lune, on capte ces énergies de renouveau, et on se dit, voilà ce que je veux pour ma vie, pour mon futur. S'il y avait un vœu à faire, après vous complétez, mais commencez par dire, je suis dans le signe du lion, c'est les énergies du lion que je vais capter, avec toute l'énergie solaire et le courage du lion, le signe du lion renvoie au moi, à l'ego, et bien je vais avoir le courage d'être moi. Tout simplement. Je fais le vœu d'avoir le courage d'être moi. Et la suite s'enchaînera. Je vous fais des gros bisous. Je suis en vacances en ce moment, enfin en vacances, je travaille, c'est-à-dire c'est les vacances scolaires. Donc, je travaille le matin, je travaille aussi le soir pour les consultations, plein d'autres choses. Et puis, l'après-midi, c'est stop, je vais à la piscine avec les enfants. Et je serai en vacances au mois d'août. Je prendrai, je pense, les 15 derniers jours d'août et je vais partir au Maroc avec mon petit loulou. Je suis trop contente. Il y a eu tout plein d'événements dans ma vie qui m'ont menée à ce courage d'être moi et qui me permettent... parce qu'il y a des cadeaux dans la vie, d'offrir des vacances à mes enfants, et ça, c'est un pur bonheur. Voilà. C'est pas toujours facile, et croyez-moi, moi aussi, j'affronte des peurs, des trucs et des machins. Mais quand je lâche, quand j'ose, quand je fais confiance à la vie, et que je suis dans un vrai lâcher-prise, en acceptant mes émotions et mes peurs, et tout ce qui m'appartient pas, mais que je veux dépasser... Eh bien, ça va mieux, hein. C'est quand même plus facile. Comme quoi, l'acharnement, c'est pas terrible. Eh bien, passez une très belle journée, belle nouvelle lune. Moi, je vais en mer, je vais faire du bateau. Un truc que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais mal de mer, que nani, que nana. Et... Pouf, qu'est-ce que je profitais pas de la vie.
Bisous, bisous. À très vite. Ciao.